Le point sur la situation, on est à 130 000 des côtes ouest groenlandaises, encore dans la zone économique exclusive groenlandaise. Et on s'apprête à faire la dernière station de Tara Ocean Polar Circle, qui est la fin de Tara Ocean. Les conditions, c'est à 25-30 nœuds d'ouest en ouest. Donc c'est un peu difficile pour travailler la rosette dans ces conditions. On attend que ça mollisse un petit peu. Et ensuite, après cette station, on va sauter dans une dépression qui nous attend le jour d'après pour faire route vers le Canada. Parce qu'ici, en fait, les dépressions naissent au large de Terre-Neuve. On est vraiment dans la saison fin octobre, là, début novembre. Et on a à peu près 1300 milles à faire avant de rejoindre le détroit de Belle-Île pour ensuite enquiller 750 milles de Saint-Laurent jusqu'à Québec. On espère être à Québec aux alentours du 10 novembre. Et a priori, avec le vent qu'on a au portant pour Tara, ça va être bien. Donc on arrivera, au moins en tout cas pour le Saint-Laurent, début novembre. Et il nous restera ensuite une petite semaine pour aller jusqu'à Québec.